c'est lui qui est allé me les arrêter. Hein. Il m'a arrêté le roi à 500 mètres. Hein. C'est lui le chef, c'est pas nous. Ils ont une géologie, ils l'ont reçue. Ils ont des climats continental, atlantique, méditerranéen qui se rencontrent sur ce territoire. Ils ont su adapter leur travail, ils ont su adapter leur architecture, ils ont su adapter leur vie de tous les jours, et cela au fil du temps, pendant quasiment 5000 ans, hein, ils ont su jouer avec ça. Là, des clients faire au bout, on finit bergerie le matin à 8h30, et après on déjeune, on va au chag. On passe la journée au chag. À 10 ou 11 ans déjà, mon père me confiait le troupeau et à 14 ans, je commençais à partir avec le berger. J'ai eu mon propre troupeau. À 18 ou 19 ans, j'avais mon troupeau. Et en réalité, l'agropastoralisme, c'est beaucoup plus large que ça, puisqu'il y a à la fois des éleveurs qui sont transhumants et d'autres qui sont sédentaires. Et la transhumance, qu'est-ce que ça représente pour vous? Rien, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez pas ce que c'est? Je n'ai jamais fait la transhumance. C'est la combientième là? 60e? Oui. Plus. Ben, sur les paysages, ça nettoie, ça débroussaille, ça ouvre des chemins aussi. Ben, ça régule un peu la végétation, hein, sinon on serait débordé. Par exemple, ici, on ne pourrait pas passer. J'ai toujours rêvé d'être agricultrice, c'est un rêve d'enfant. J'ai fait des études en sociologie, en psychologie au départ. À un certain moment, je ne me retrouvais plus dans ce que je faisais et du coup, j'ai décidé d'essayer de concrétiser mon rêve. En général, quand on fait des images, c'est que tout va bien. Et on a toujours des images de quand tout va bien. Il n'y a jamais personne pour faire des images de quand tout va mal. Récemment, on a eu des problèmes de loups l'an dernier. On a eu 3 attaques sur le troupeau, tout ça. Donc du coup, on rentre les bêtes un peu plus. Ça nous met un peu plus de boulot sur les moutons. Quoi. Ça risque de bouleverser pas mal notre organisation de travail. Si un agriculteur décide demain de dire « je m'en vais », on fait quoi? On n'envoie pas les gardes du parc. S'ils partent, l'agropastoralisme s'en ira avec eux. Ah, je crois que aïe, trop, ça va être fini. Ça y est, on va y aller. Ouais, ouais. Ah, il faut que je mette un pèse, non? Oui, il faut être polyvalent, cultivateur et éleveur.